5 mai, fin de journée à bord de Safran. Ce code zéro. Avec la vedette du jour. J'ai nommé Morgane Lagravière. Ça va, tu te souviens de mon prénom quoi. Non, parce que aux États-Unis on t'appelle Morgane. Ouais. À l'américaine quoi. À l'américaine. Bon hein. Bon, quoi de neuf ? Belle carte postale, hein. Bah moi j'ai le droit à mes 2h30 de sieste, donc tout va bien. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des conditions comme ça, mine de rien, parce que la mer plate et le bateau qui glisse, ça fait plaisir, ça n'a pas été tous les jours comme ça. Alors on en profite, on a la banane. Bah, dis donc, il y a la lune qui se lève et le soleil qui se couche à l'horizon. Et tout ça en amoureux, quoi. Et à l'horizon, Hugo Boss, 27 000 derrière. Et ouais, on touche la molle en premier, donc c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. Ça va le faire ? Vendredi 6 juin à bord de Safran et... nous assistons avec Morgane, un super lever de soleil. Bon Morgan, il s'est passé quoi cette nuit? Je pense que tu n'aurais pas assez de bandes pour pouvoir raconter les péripéties qu'on a vécues cette nuit. Et non, c'était très sympa, comme ça, assez calme dans l'ensemble. Et on a bien rigolé à la IS avec Alex, enfin avec Hugo Boss, pardon. Et donc du coup, c'est un peu le jeu de l'élastique. Un coup c'est lui, un coup c'est nous. Et en ce moment, c'est nous, donc c'est plutôt positif. Et puis on a perdu un peu notre avance, mais c'est plutôt lié aux conditions météo. Donc voilà, on se bat toujours autant qu'au début et ça fait plaisir, c'est sympa.